Bonjour les amis, je suis chez François, j'étais voir Françoise Niro, vous savez, on a fait un appel aux dons pour elle. Sa cagnotte est montée de manière spectaculaire. Elle est à 4 500 €. Avec ces 4 500 € à pouvoir faire, elle a plus d'un an de visibilité avec ses toutous. Donc c'est une maison de retraite pour chiens, elle récupère tous les toutous abandonnés, des toutous de mamie. Voilà, et on va aller la voir tout de suite. Allez, c'est parti. Et ben voilà, on est chez Françoise. Il y a tous les chiens qu'elle a récupérés. C'est la maison de retraite pour chiens. Salut Fanfan. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre soutien, votre aide. Voilà, tu peux juste. Ça passe tout droit au cœur. Merci beaucoup. Voilà, regardez, elle est dans. Dans sa maison pour chiens, parce que la maison est occupée quasiment que par les chiens. Elle se réserve juste une petite pièce pour elle. Tout est dédié aux chiens et elle fait ça toute seule depuis 15 ans. Donc là, il est temps de lui donner un coup de main, vous l'avez fait. Et voilà, vous voyez ici les toutous, quand ils sont en fin de vie, ils finissent avec l'amour de François, enfin, ils finissent dans ses bras. Donc il y a plus d'amour ici pour les chiens que pour nos petits vieux dans les EHPAD. Voilà, vous voyez. Elle mérite d'être aidée, elle l'est, avec ce que vous avez donné, on est quand même sur, je vous ai dit, plus d'un an de tranquille au niveau financier. Là, il y a la chatterie, voilà. Et la chatterie, elle a donné à manger tout à l'heure au chat. Elle recueille toutes les bêtes possibles imaginables. Elle a aussi chèvre, bouc, là-bas au bout. Des bêtes qui étaient bonnes pour l'abattoir, qu'elle a recueillies. Voilà, elle ne veut pas trop se montrer, elle est un peu sauvage. Allez. Voilà, c'est pour donner un peu une idée. La personne que vous avez aidée, les conditions. Voilà, c'est tout pour les chiens. Et on vous remercie beaucoup. Et puis, pour ceux qui veulent la joindre, vous passez par l'Alliance Humaine, on vous donnera son contact. Il y a tellement de choses à faire et puis ceux qui ont des surplus de de médicaments pour les toutous, pour les chats qui ont peut-être de la nourriture aussi à lui envoyer. Voilà, il y a beaucoup. Quand on la balade, elle a des chiens qu'elle aime pas trop, on leur fait comprendre, hein, c'est comme ça. Tous âgés, il y a des chiens aveugles, mais bon voilà, tout ce monde-là va finir tranquillement chez Françoise. Et voilà, et ça se passe depuis 15 ans, là il faut lui donner un petit coup de main. Je vous remercie. Voilà, un chien sauvé de laboratoire, regardez, il est hyper craintif, mais au bout de 2 ans, Françoise a réussi à le... Là, c'est une bagarre là-bas. Elle a réussi à le... Voilà, il est resté 2 ans caché un peu. Regarde, il est encore très peureux. Comment la part. Voilà. Il est encore très peureux parce qu'il le sent. Elle l'a sauvé du laboratoire. Voilà. Elle est belle, hein. Ouais, elle est belle. C'est Mila. Elle s'appelle Mila. C'est bien, elle sort des laboratoires. Ouais, je sais. On voit qu'elle a du mal, mais t'arrives à la caresser. Ouais, j'arrive à la caresser. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Tu vois, elle est soumise, elle est chez Salou. Là. Quand on les voit, ça se trouve pour tester les frères entiers pour les biguenons. Ah, c'est l'heure de la pâtée. Ils arrivent tous. Il y a les chats, les chiens. Allez, attendez à quoi. Allez. Et pour les chats, voilà, ils sont pas fous. Hein. Allez, les titis, c'est la pâtée. Il y en a des plus ou moins rapides. Et là, allez, mes titis d'amour. C'est la pâtée. Ils sont beaux tes chats, on sent qu'ils sont en bonne santé. Je fais tout court, hein. Ouais. Allez mes titis, je vais voilà, chercher la suite. Ça. Non, c'est à papy. Tiens, papy. Tiens, mon bac. Tiens, regarde. Non, c'est à